J'ai annoncé le jeu pour que l'épisode coupe net. Je vous le cacherai pas, je l'ai fait. Parce que parfois ça le fait pas. Et ça m'emmerde au niveau du montage. Ah, there you are, dude. Hope you had a good night's rest. To be honest, there was some terrible racket going on all night. Oh, je kiffe cette It's just those fucking zombie assholes in the cemetery next door. Anyway, welcome to the church of the VD clan, where the love is infectious. In these hallowed halls, I'm known as Papa Desi, Chief Big Dick. That's well. Now about Champ. No problem, man. I know the secret for how you can find Champ and cure him of his monstrous condition. Laisse-le crever, Champ. Vas-y, y'a de la meuf ici. Pardon, je suis absolument désolé, je respecte les femmes. I still got this bullet in my head, and it seems to be affecting my voice from time to time, as if some psychotic alternate persona is slowly taking over my mind, and... Enough of that. I'll tell you the secret of finding Champ once you take care of a few things. Here, you'll need this map fragment to guide you through the day. Ok, alors... Le gros avantage. The church is running low on toilet paper, and we're not about to start using our hands. Buy a roll before it gets messy around here. The store's right here. My boys have developed a hot new game that's poised to take the town by storm. Deliver these motherboards to the local arcade so the public can enjoy it. There's the arcade. But it turns out some scumbag competitors are trying to develop a cheap ripoff of our game. Pay them a visit and liquidate some of their gear for us. And those assholes are over there. Now get your ass out of here. Competition. Bon, ok, faut les faire dans l'ordre ou... Faut les faire dans l'ordre dans le doute. Oh, Cold Chase. Pas mal. Alors, bon bah je vous laisse mettre en pause si vous voulez lire, moi je l'ai un petit peu. Alors, new game, une manflée, ok. Pew Games, ok d'accord, donc ça c'est ce qu'on va devoir faire. Toilet Paper Prince Skyrocket, ok d'accord. Report of illicit mark, trafficking continue. Ok, d'accord. Oh. Ah oui, c'est Apocalypse Weekend. Ouais, ok. Ah d'accord, c'est la Attendez, je veux voir ça. C'est la jaquette du jeu Apocalypse Weekend. Ouais. Ah oui, le fudge pack, ouais. Non, c'était pas celui-là que j'avais eu avant. Share the Pain. Postal 2. Tout ça, ce sont les versions du jeu là, avec les packs. Non, c'est pas Fetch Pack qui était sorti avant. C'était comment? Il y avait Apocalypse Weekend, mais... Bon, il paraît qu'il y a la nana. C'est de l'art. Excusez-moi, je trouvais rien d'autre à dire. Bon, franchement, faut le prendre avec humour. Hein. Franchement, si vous n'avez pas d'humour de vraiment du premier degré, bonjour madame, je peux venir avec vous. Hey, comment je peux parler? Parce qu'à part le fuck you avec le G là, j'ai bien les options pour parler aux gens. Contrôle, action. Wall got down. Ok, d'accord. D'accord, kick jump crutch. Ok, je peux pas discuter avec les gens. Quick save, quick scene. D'accord, je peux régler aussi le HUD, mais ça je m'en fous. Ok. J'ai accès à la console de dev, tiens. Bon, pourquoi pas. Je sais même pas en quoi le jeu est codé. Hein. Enfin, sérieusement, je m'en plus. Bon, ça fait rien. On va essayer. Fuck you. Pardon. Bon, bah, c'était pas le bon point. Ok. Load. Non, cet endroit est cool, franchement, j'ai pas envie de... être foiré dès le départ, quoi, voilà, quoi. Ok. Bon, donc ça, voilà, on l'a lu. Tenter une autre approche.
Madame? Non? Bon. Je sais pas si je vous l'ai dit. Bah je sais pas, apparemment c'est le temple de l'amour. C'est ce qu'il a dit le mec, hein. C'est ce que le mec a dit, hein. Donc je sais pas, moi je m'attends à voir des trucs assez sympas. Bon, parlons, on descend, donc c'est pas bon. T'as n'empêche, waouh, des ordinateurs comme ça partout, moi j'en veux, hein. Sympa le poster. Salut. Attends, il a quoi dans le dos? Ah oui, c'est ça, oui, c'est... C'est l'icône de Portal, donc les mecs sont bel et bien avec nous. Ok. Acheter un avion confessionnel. Bien un truc, non? Oh, allez, il y a bien un truc là. Oh, fais chier. Ils disent un truc dans le jeu, ils le font pas, ils assument pas à fond. C'est quoi ça? Oh, ça par contre, je kiffe. Bon. D'accord, ok. Alors ça, je sais pas si c'est dans, si on avait été jusque là dans le 1, parce que je sais pas du tout si s'y a été. Si y était, voilà, bon bref, voilà. Si Jésus faisant un fuck était dans le 1, je ne sais pas du tout. Dommage que les écrans soient noirs, moi j'aurais bien mis un... J'aurais été eux, moi j'aurais mis des images de postales, hein, dans... Oh ah oui, ça a bien changé, mine de rien. Et ça porte bonheur de faire ça, ou... Oh. Gloire à notre Messie, moi-même. Ok, je suis de retour ici. Ouais, je suis de retour ici. Bon. Donc ici, il y a quoi? Oh, tous les objets du 1. Génial. Génial cette référence. Ouh. We will to play the game. Look out. Start to play the game. Bon bah dis donc, pour une église de l'amour, tu m'avais promis des gonzesses, mon gars, bah je peux toujours me gratter, quoi. Sans aller forcément à des trucs forcément obscènes, mais voilà, quoi. Bon, on va se concentrer sur la mission. Mais là, je m'attendais quand même à un petit truc, là. Franchement, ils me déçoivent. Sérieusement, quand on connaît le film, quand même, ce jeu, cette extension-là est sortie après le film. Non. Essaye, je sais pas, moi j'essaye d'y rajouter ma dose, moi résultat, mais non, y a rien qui... Non, rien à foutre, quoi. Escroquerie, escroquerie. Monsieur, je crie à l'escroquerie pour ce pack. Pour ce pack comprenant Postal 2 et Paradise Lost. Franchement, escroquerie sur l'église. Je n'ai pas peur de le hurler. Escroquerie totale. Bon, on va aller voir le PQ.
Ok, zone de chargement. Tant mieux, ça sauvegarde. Par contre, je pense à un truc, c'est si je cape en 90 FPS comme ça tout le temps, mon disque dur va saturer beaucoup plus vite. Bon, on va voir jusqu'où ça tient, hein. J'espère juste que ça va pas lâcher en pleine action, quoi. Ok, donc là je suis à la gare ferroviaire, hein, tout va bien. On connaît. On connaît. J'ai pas une touche pour sprinter plus vite. Et j'ai toujours cette ligne de glitch là. D'accord, ok, il pleut. Ça c'est pas forcément cool. Ah bah c'est là. Je les teste. Pose un problème. Try before. Ah oui, mais en plus il propose de le tester avant d'acheter. C'est écrit en très très mauvais goût quand même. $130 le. Je sors de ça parce que ça fait silencieux. Enfin, quoi que je repère rien, mais bon. J'ai entendu une porte, mais ça doit être celle d'As. C'est con. Il m'a fait peur, lui, quel con. Quelle idée de se planquer comme ça derrière. Ah, ok. Je veux. Comment j'accède? Bon, tant pis. Ça sent le temps de chargement. Non. Bon. Je récupère juste les munitions parce que j'ai pas dû les récupérer. Mais ils ont des petits flingues de merde, ils font chier. Donnez-moi des fusils d'assaut là. J'ai besoin de fusils d'assaut moi. Allez. Je vais juste voir là-bas parce que ça sent l'easter egg. Enfin l'easter egg ou le petit cadeau, enfin. Non, que dalle. Pff, on va te faire foutre, putain. Là quand même c'est pas le temps de développement qui vous a manqué les mecs pourtant. Ah j'ai repéré quelque chose par contre. La modélisation des personnages a évolué. Bon point. J'ai l'impression qu'il y a plus de patterns pour les personnages. Au niveau des visages, il y a des nouveaux visages. C'est des nouvelles tenues, mais j'ai pas fait attention. Enfin, ça évidemment oui, c'est une nouvelle tenue. Mais... Toilet paper. Accès niveau 2. Ouh. Ouh. Ça je veux. Montre un peu ma tronche.
Ok, puis j'ai pas vu que je baignais dans l'urine, hein, mais bon. Ok, il y a un éléphant qui est venu ici. TP sniffer de cas. Nickel. Bon bah j'ai du PQ. Ah d'accord. Tout ça pour un rouleau de PQ. Oh mais merde. Ah par contre ça le son de l'alarme à la con. Putain la vache. Ok, il est invisible. Fais chier. J'ai bousillé une chevrotine pour rien. Hein? Eh mais vas-y, il te faut combien de chevrotines dans la tronche toi? Limite, je préfère le flingue à ça, parce que le flingue, au moins, je peux vraiment tirer plus précisément à distance. Bon. J'attends juste que mon niveau d'indice redescende. Normalement ça devrait le faire. Bon. Ça va être par là. Vous savez quoi? Je vais me mettre juste là. Attendre un peu que mon indice de recherche diminue. Bah écoutez, à la limite, je vais couper. Le temps que mon indice de recherche diminue, hein, pour éviter d'être emmerdé par les flics. Oh, puis non. Allez, tant pis. Hein. On a des munitions, on a pratiquement 200 balles de pistolet, on peut y aller. Il me reste un point de gilet par balle, si j'ai pas de bêtises. Non, je l'ai... Ils me l'ont flingué. Bon, ça fait rien. Ça fait rien. Donc je prends à gauche. Putain, je monte. Je m'en doutais.
Il y en a qui a pas tout compris sur le coup, je pense. Bon. On va voir un petit peu dans le mover mall. Gueule. Oh merci pour le fusil à pompe. Bon, je pensais qu'il avait pas d'arme sur lui. Bah si pourtant. Ou j'ai dû le récupérer, j'ai pas vu. J'ai pas entendu le bruit en tout cas. Et visiblement je vais dans le mauvais endroit. D'accord, j'ai pas vu, il y a plus de toit à mon avis. Bon, j'ai l'air d'être dans la bonne direction là. Ah oui, évidemment, je suis à la mairie moi, n'importe quoi. Je suis à la mairie, évidemment que je vais me faire flinguer par les poulets. Bonne sauce. Shit. Merde. Oh. Qu'est-ce qu'il fout là lui? Bon, on peut peut-être lire ce truc là résultat. Non c'est toujours aussi dégueulasse. Ça fait rien. Franchement je devrais me planquer ici et attendre la fin de l'alerte. Je coupe le temps de la fin de l'alerte. Bon, on est reparti. Allez, ça n'a pas duré longtemps. Par contre, ce qui m'a fait marrer, c'est que dès que j'ai coupé l'enregistrement, direct, je suis monté à 170 FPS. C'était beau. Je sais pas comment vous décrire ça, c'est beau. Bon, je regarde hein, par où faut passer. Monsieur l'agent, faites quelque chose. Bon. Pourtant, c'est même pas là. Ah, j'ai dû rater quelque chose. Franchement, j'ai dû rater quelque chose. Je sais pas par où il faut passer. Ok. Par là je ressors. Bon. Donc c'est certainement par là en fait. Bon.
Vous avez soufflé, madame. Oui, bon, merci, Capitaine Obvious. Bon. Bon, si je monte par là, qu'est-ce qu'il y a? Par là, il y a une autre sortie. Genko, ok, d'accord. On s'en tamponne. Ah, là-bas, qu'est-ce qu'il y a? C'est un vrai labyrinthe, ce truc. Je... Pour être franche, je m'y perds. Voilà, droite ou gauche? J'ai envie de dire droite. Peu importe. Ok. Et par là, il n'y a rien. Bon. Ben, je sais pas où c'est. Je ne sais point où c'est. Si je me laisse tomber ici, je suis où là? Je suis dénel dévasté, ok, d'accord. Ok, là, je suis de retour au SCP machin là. Au SCP. Au CCP. C'est à force de lire des SCP, ça. Ok, ça je prends. That's the stuff. Ok, ça, je sais toujours pas ce que c'est. Ah, Showmax. Bon, on va tester alors ce que c'est. C'est quoi ça? Attendez, c'est quoi ça? Oh, genre, j'ai des cartes électroniques. Enfin, des cartes mères. Ok, ça me donne un boost. Bon, pas pour aller plus vite déjà. Possible. C'est où? Ah ouais, c'est pas forcément non plus. Ah, c'est vrai que c'est en deux parties cette merde. Yeland Fun World. Ok. Apparemment, il y a... Ouais, c'est ça, il y a deux parties. Et apparemment, je peux pas accéder à la deuxième partie depuis l'autre endroit. Ok, ok, ok. C'est bon, tout s'explique. Il y avait écrit que je devais m'adresser au bureau avant de venir. En gros. C'est ça, hein. Donc le bureau est où? J'y suis à l'endroit où il faut. Ça doit être juste en dessous en fait. Ah, c'était là où il y avait la dédicace de Gary. Bien sûr. Notre ami Gary. Je sais plus quel nom il avait donné dans le... dans le film. Ouais, en effet, je suis bloqué. T'as bien vu.
Ce système est vraiment génial par contre. C'est génial de te débloquer quand t'es bloqué. C'est absolument génial. C'est tout con, hein. Mais il fallait y penser. Hein. C'est pas dans World of Warcraft qu'on verrait ça. Ouais, j'ai déjà bloqué mon personnage dans World of Warcraft. Ça fait pas plaisir. Bon, bah, je crois que je rentrais de force. Ou alors, je... Non, je dois passer en dessous. Bêtement. La question, c'est juste ça. Je suis pas allé en dessous. Si. Bon. Bon bah si, je peux rentrer en fait. Ok, je pensais qu'il allait m'attaquer en fait. Ok, bon. Alors. Air hockey. Ah, ça c'est génial ça. C'est le palais sur le coussin d'air. Ah, c'est absolument génial ce truc. J'adore jouer à ça. Bon, souvent je me fais plumer, hein, mais bon. Avec la partie, la dernière partie que je me suis prise dans la tronche. Prends la vie si ça te dérange pas. Ah oui. Ok, je peux pas passer par là. Ok. You see, I run a little business on the side. You might say I'm the kingpin of a massive gun trafficking operation. But you didn't hear that from me. Right now, I only need a few extra firearms to complete my next shipment. Just drop the right guns into those crates, and I'll be happy to take that game off your hands. Quoi? Bah tout quand même! Ah non, je dois balancer dans un dé... D'accord. Ah, je dois pas tout balancer. Bon. Vous savez quoi? Sauvegarde rapide. Je tentais un truc. Bon, moi je veux bien. Je peux pas avancer après.
Bon. On va juste recharger parce que si je quitte la zone, le problème c'est que je vais écraser ma sauvegarde rapide. Alors, on va reprendre les e-save. Quoique non, c'est pas la même, c'est la sauvegarde auto. Bon, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une sauvegarde. Une sauvegarde brute. Save game. Empty. Ok. Donc ça, on est bon. Il me demande pas de virer les armes au corps à corps. Bon. Si on se tire. Est-ce qu'on a bon? M'étonnerait, à mon avis. Là, j'allais dire cinématique, mais non. Non, c'est... Ok, bon. Admettons que si je reviens, est-ce que c'est scripté et qu'il est de retour? Parce que normalement, sinon, ça bloque le jeu, quoi. Je veux dire, si c'est pas ce qu'il faut faire, je vois pas, quoi. J'essaye, hein. Franchement, je serais essaye de revenir. Non, c'est bel et bien. Donc, c'est une possibilité. Il doit y avoir quelque chose à faire. Il doit y avoir quelque chose à faire quand on le tue. Et juste, je ne le vois pas. Non, ça fait la mitière. Bon, ok. L'autre game. Et j'essayais, hein. Donc il faut que je me débarrasse de toutes mes armes. J'essaie quand même une de chaque seulement. Bon, ça fait chier, mais bon. Ah non. Celui-là, c'est vraiment plus rare. Allez, hop. C'est un fusil à canoncier, ça. Ah bah j'en ai pas, toi. T'es marrant, toi. Bon, grenade. Bon, les grenades, c'est pas ça qui me... Hein, qui me fait chier. C'est ça. Ah. Je brain le jeu. Vas-y, attendez. Ah, oh, c'est pas vrai ça. Ah, pas sur ce coup-là. Bon, tant pis. Ça j'ai pas, et ça bah j'ai pas. Donc des sérieux, faut que je revienne avec tout, quoi. Listen, instead of bowing to the demands of the scheming crook type, how about you just
install the motherboards yourself into those open arcade cabinets. Say, that doesn't seem like a bad idea. Good thinking, me. Bon. Je suppose que c'est ce qu'il vient de dire, alors. Non, toujours pas. Je comprends pas. Il a pas l'air de vouloir respawn. Bon, donc en gros, il faut que je revienne avec toutes les armes. Mais c'est pas possible. Enfin, j'ai pas de... Où est-ce que je vais trouver un lance-roquettes, quoi? C'est assez rare, quoi. Bon. Ben, log game. Je reviendrai sur cette mission plus tard. Franchement, je reviendrai sur cette mission un peu plus tard. Je vais me barrer. Et puis passer à la troisième mission. Bêtement. Bon. Donc... C'est ça. C'est ça qu'il faut faire. Ok, je peux tirer à travers le grillage. Il y avait certainement une autre manière, mais bon, là... Oh. T'es bugué, mec, t'es bugué. Tu
Je peux rien faire, t'es bugué. T'es même plus que bugué là. Je vais juste vérifier qu'ici. Donc ici il y a un fusil à pompe. Bon. Ah, il lui reste un pistolet au sol. Et je peux ressortir certainement. Voilà, tranquille, au calme. Je vais remonter par là. C'est ça, hein. C'est ça. Et puis je me barre. Au calme cette mission en fait. Bon. Troisième mission de la journée. Et je pense que ce sera en deux parties, hein, vu la longueur. Ouais, ouais. Mais... chez moi, il commence à se faire tard, là. Et je travaille demain. Bon. Bah, c'est pas fini. Oh, c'est pas vrai, c'est pas fini. Bon. Excusez-moi, ce n'est pas terminé.